ça ne prend pas plus de 20 minutes. Juste, je dis ce que j'ai à dire et puis je quitte. Si vous n'êtes pas des maudits, je parle des herpésistes, je le répète encore, ce qui a fait mal aux herpésistes, les herpésistes, de A à Z, j'ajoute maintenant ce que Mouktar et Yaru l'ont dit, j'ajoute maintenant de Z à A, y compris les voyelles, y compris les consonnes, si vous voulez ajouter même les chiffres, si vous êtes des herpésistes, vous êtes des maudits. Si ce n'est pas maudia, je jure, même une seule minute, on ne peut pas parler de RPG. Même une seule minute. Vous êtes des maudits, vous êtes double maudits. Vous êtes maudits par Dieu, vous êtes maudits par les hommes. Vous êtes même maudits par tous les Guinéens. Aujourd'hui, là où nous parlons comme ça, il y a 10 jours, Kanka n'a pas d'eau. 10 jours, Kanka n'a pas d'eau. Et on a tout dit ici. Il y a Guitare à Kabalia Doko. Non. Kabaliadoko, Kabaliake Odiamayandalebe. Yagitare Atokunudokoe. Des maudits blogueurs comme ça là. Là où nous parlons comme ça, je jure, le problème d'eau est devenu très sérieux à Kanka. La SEC, il y a 10 jours, ne fournit pas de l'eau. 10 jours. Je vais couper ça d'abord. 10 jours, la SEC n'arrive pas à fournir de l'eau aux gens de Kanka. On peut rester sans courant. C'est possible. C'est possible, on peut vivre sans courant. C'est difficile, mais c'est possible. On peut vivre sans eau. C'est possible, ça. On peut vivre, pardon, je le répète parce que je voulais couper ça. Il y avait des HL. On peut vivre sans courant. Le courant électrique, c'est possible. On peut vivre même sans route. Même si la route est gâtée pour aller à Kankan, c'est un calvaire, c'est possible. On peut vivre sans bandiguine parce que le prix des bandiguine est augmenté à Kankan. C'est possible. On peut vivre sans ça. On peut vivre, même si le prix du riz est augmenté, on peut vivre, on peut se débrouiller et vivre. On peut vivre, même si le prix de la viande a grimpé, on peut vivre en se débrouillant. Mais sans eau, la vie est impossible. Quand on va dans les toilettes, là, et toi que là, ils se sont nettoyés. Pour se nettoyer, il faut de l'eau. Pour manger, il faut de l'eau. Pour boire, il faut de l'eau. L'eau, c'est une source de vie. Alors, na fala nebi, mukankangli fala manaki sonon. Parce que c'est à cause d'un truc privé. Mais ce que je dis là, c'est profitable pour la population de Kankan. On ne peut pas vivre sans eau. Et Allah a continué. Allah est toro. Allah a yéna rasona. Allah a segrori. Allah a segrori. Allah a désert yéna din kankama. Al-Qura comprend. Le gouvernement là ne veut pas travailler. Le gouvernement là n'a pas la volonté de travailler. J'ai ajouté 200 milliards pour que vous compreniez. On dit qu'une seule personne a volé plus de 200 milliards de francs guinéens. Nous savons que ce n'est pas une personne qui a volé. C'est un groupe d'individus. Et puis, ce n'est pas la première fois. C'est leur habitude de voler. 200 milliards. Ça là, 200 milliards là, on n'a pas besoin de ça pour donner de l'eau à toute la population de Kankan. De créer des infrastructures qui peuvent donner de l'eau à toute la population de la Haute-Guinée. Même avec ces 200 milliards là, c'est possible. On vous dit qu'on a volé 200 milliards. C'est une personne issue de Kankan. Au lieu de chercher à connaître la vérité, non, elle n'a pas volé. Non, il faut porter plainte contre Guinée News, Guinée Matin ou Guinée News. Il faut porter plainte contre eux parce qu'ils ont attaqué une fille de Kankan. Elle a volé, elle n'a pas volé. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, vous souffrez. Ces 200 milliards-là, même si on investissait ça dans l'eau pour la Haute-Guinée seulement, ça pouvait donner de l'eau à toute la Haute-Guinée. Toute la Haute-Guinée. Mais une personne prend ça. Ou bien un groupe d'individus prend ça. Ils préparent l'avenir de leurs enfants. Ils préparent leur maison. Ils construisent des maisons avec. À votre détriment, Allah a continué. Payer fang. En tout cas, le problème persiste. Il y a 10 jours,
aujourd'hui, là où je vous parle comme ça, c'est 10e jour aujourd'hui. Le responsable de la SEC a essayé de rassurer. Mais je vais mettre le matin à la. Je vais te sebra, n'y a rien à Guinée, n'a rien. N'y a rien à Guinée, n'a rien. Parce que, maninke est en comité, t'as l'angle bien là. C'est là où on est directeur, ben. Il n'a rien à faire. Mais alors, il y a un rassiga. Alors, le directeur de la SEC parle d'une panne. Une panne au niveau de l'eau qui persiste plus de 10 jours. Et jusque là où je vous parle comme ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour trouver de l'eau pour les gens de Kankan. Mais on a continué. Et puis il est dit, quand il y a un peu parce que quand il y a deux fois, il y a un peu de 200 milliards, un groupe de personnes vole ça. Wodori. Kura muna woyi, ye muna woyi la, et c'est vous qui défendez ça encore. Défendons. On bien a défendu. Laissons cette yenab drame. Laissons là. Mais alors, y est un enfant au rogni. Alors, courant, fanyang asiga yang. Courant yang, bientôt courant asiga. Et quand on vit aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui ont construit des fourrages privés, dans la concession des gens. Et ces gens-là vont se fatiguer, parce que vous n'allez pas venir les fatiguer tout le temps. La SEC est en panne. Château d'eau de l'Afrique occidentale, Mérimounoma Kayalondena. Parce qu'il y a fait roror. Vous allez vivre très mal. Vous allez très mal vivre. Parce que vous vous opposez aux gens qui veulent un changement. Parce qu'il y a des incapables qui sont à la tête de l'État. Parce qu'il y a des incapables qui sont là. Et il y a des maudits qui passent tout leur temps à faire des vidéos. Toilettes publiques. Tonyara Hundi. Hundi, c'est le hibou. Ayana, Ayana, Ayata qui bille n'aferi. Né la ibe vidéo là-bas, mémire, sa beauté, mémire, ma combima. Et à mon combira, m'tima, et partie du corps et relief à la main. Et vous supportez ces maudits-là, quoi. Si c'est pas maudit, on ne peut pas voir quelqu'un empocher plus de 200 milliards. Plus de 200 milliards. C'est vraiment dommage pour vous. Alors au Mali, mais alors il est en Aluna. Moi je l'ai dit, il y a des crises qui pointent à l'horizon. C'est la première crise qui commence à pointer à l'horizon à Kankan. La saison chasse même n'est pas arrivée d'abord. La saison chasse n'est même pas arrivée d'abord. Donc, oh, t'en as mouru. Nasa la naya. La saison 6 n'est pas arrivée, la crise commence. Moi, je l'ai dit, dès que la saison 6 arrive, je jure, il y a des trucs, je ne sais pas, Salibari, tu dis Walmart, je ne sais pas c'est quel Walmart. C'est un truc de Walgreens qui est derrière moi quand même. Voilà. Donc, Nasananaya. Et la crise commence à Kankan. La crise va arriver en basse-côte. Alors c'est en basse-côte là où on va mettre le coin. Le point final. Et ce jour-là, c'est cette musique que je vais mettre pour Alpha Condé. Le jour où la crise arrivera en basse-côte. Attendez seulement, vous allez écouter cette musique-là. Hop! Oh là là! Alpha Condé, la musique là, on le prépare pour toi. C'est ce jour où la crise de courant va s'accentuer à Conakry. Crise de ça a commencé. Merci les directeurs. Wodangi, il faut foutre la merde parce que vous n'êtes pas là pour travailler. Vous êtes là pour voler. 200 milliards volés par une personne issue d'une préfecture où la préfecture aujourd'hui n'a pas d'eau depuis plus de 10 jours. Oh là là. Ogoro, ogoro, ogoro. On m'a mis tiré. Des maudits blogueurs forment à le chauffeur faré. Anayata Guinantou, maman est bifoui.